Mercredi 4 juillet 2018, bonsoir à tous, bienvenue à Édition 10. Tout de suite, les informations. Le président de la République, Jovenel Moïse, est arrivé ce mercredi à la Jamaïque. Pendant son voyage, qui durera 2 jours, le chef de l'État participera à la 39e Assemblée ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Caraïbe à Montego Bay. La rencontre sera présidée par le Premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness. Elle devrait permettre aux pays membres de la CARICOM de discuter sur les défis du marché commun et économique de la Caraïbe et sur les questions concernant le changement climatique. Autre information, la Commission des affaires sociales du Sénat de la République a rencontré ce mercredi 4 juillet la ministre des Affaires sociales et du Travail, Stéphanie Auguste, accompagnée du directeur général de l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, Chesnel Pierre, et du directeur de la Caisse d'assistance sociale, Woodley Simon. Le président de la commission, le sénateur Wannick Pierre, s'est montré satisfait des échanges. Un extrait. Oui, pour moi-même et moi pour la commission en particulier. Pratiquement, il y a un pile point d'ombre qui arrivé éclairci. L'ANCAS, par exemple, qui est la caisse d'assistance sociale, nous ne connaissons pas comment santé CAST. Je dis, je pense que nous avons ensemble des formations de CAS. Nous connaissons qui département normalement qui bénéficie plus de 65% de ça qui gagne. Nous ne connaissons comme avantage dans CAS. Nous connaissons normalement combien Sandakarele asile communal. Combien qui a fonctionné hier, combien qui gagne aujourd'hui. Nous connaissons combien de restaurants communautaires, normalement, qui sont sous l'obédience et CAS, parce que nous ne connaissons pas hier. Dans le niveau ONA, il y a un pile rumeur, nous bien dit rumeur, mais nous-mêmes, comme sénateurs, nous ne pouvons pas cacher sur la rumeur. Et bien, le directeur général, lui-même, il s'est bâillé en pile explication là. Et moi-même, je suis très, très, très satisfait de la réponse que lui bâille à un ensemble de questions qui étaient posées. En attendant, nous-mêmes, comme membres d'affaires sociales, moi-même, comme président, nous avons pour nous fourrer, garder, pour nous prouver, et bien, ça, le directeur général, lui-même, il dit non. Pour bon côté, ça qui gagne une relation avec salaire minimum, et je pense que nous gagnons pas mal d'informations sur l'évolution et bien ça qu'a fait sur question ça. Et le ministre dit nous gagnons une question de 5e rapport, il gagne une date limite jusqu'à 30 septembre et l'IBA est garanti avant 30 septembre, et bien 5e rapport à lui-même l'a bien temps prêt. Et l'autre satisfaction que nous avons, c'est par le fait même que l'équipe affaires sociales, en particulier le ministre, c'est comme si d'accord, l'inflation lui-même lui dépassait 10%. Eh bien, qui dit qu'il acceptait, eh bien, l'inflation dépasse 10%, eh bien, c'est ce qui a un lieu normalement pour gagner un ajustement de salaire. Alors, dans ce sens-là, nous avons demandé aux syndicats, aux ouvriers, pour qu'ils prennent patience, pour qu'ils obtiennent CSS-là, au lieu que, normalement, c'est dans la rue, le problème dans lui-même de résoudre, des préférences, préférer ces dialogues-là qui commencent, qui va permettre que, eh bien, tout le monde gagne. Tout pour nous garder, on va dire que le gouvernement, nous-mêmes comme monde qui n'a affaire sociale, patron, aider aux jeunes travail pour que normalement, j'aime dire, tout le monde sorti gagnant. Le sénateur de l'Ouest, Jean-Renel Senatus, se dit également satisfait de la façon dont s'est déroulée cette rencontre. Le parlementaire demande aux membres de la commission de continuer à travailler de manière à approfondir davantage les dossiers en cours de traitement. Un extrait. Moi, étant le directeur général ONA, qui va nous paquet d'informations. Et des informations ben nous que nous satisfaits. Par exemple, on dit que mon cap fait des ordres du sanctionné, moi-même tout, moi responsable de l'université, si quelqu'un cap fait des ordres, je sanctionne. Cependant, je voulais que ça fait suivant les principes qui prescrits par la loi. Pour ne pas paraître comme on a pris des affaires personnelles comme juge et parti.
nous entendons sous ça. Directeur Alexandre dit, on a avocat lié, moi-même j'ai un avocat lié, nous comptons de quoi on a parlé. Maintenant, nous avons parlé des questions de transactions faites dans l'ONA qui ont un point d'ombre. Il a porté des explications pour nous. L'explication le porté, il a été satisfait. Il a côté nous demander pour nous le faire, pour nous approfondir et recherche nous, pour nous connaître est-ce que toutes les normes sont respectées. Maintenant, nous finis, moi-même moi satisfait parce que le ministre et le directeur Liovin viennent répondre à nos questions. Ça ne veut pas dire pour autant que le travail nous arrive dans la fin. Parce que le travail de contrôle, là, nous connaissons son attribution constitutionnelle que lui. Nous continuons à faire des démarches pour nous pour nous toute information nécessaire. La population doit assurer que nous faisons travail pour nous. L'autre chose que nous avons abordé, c'est la question de grand nec seulement qui a besoin de prêt dans l'ONA. Le directeur a reconnaître effectivement dans pile de monde qui a un gros moyen, qui a un gros prêt. Nous sommes ensemble avec lui, jeune garçon qui a fini dans l'université. Il faut que nous ayons possibilité, si nous avons besoin de cabinet, en clinique, pour qu'il y ait un prêt dans l'ONA. Et là, nous tous nous sommes conscients, nous sommes accordés pour avoir des ouvertures pareilles qui sont faites. Et là, on l'a trié produit que le dit ONA a mis dehors d'ici les jours qui viennent pour être capable au moins au service couche qui est plus défavorisée. Nous enchaînons donc avec le directeur général de l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, Chesnel Pierre, qui a démenti les rumeurs qui font croire qu'il y aurait de la corruption à l'ONA. Le numéro 1 de l'ONA a fait savoir que les documents des transactions de l'institution sont disponibles pour toute vérification. En ce sens, Chesnel Pierre dénonce la mauvaise foi de certaines personnes qui visent à politiser les activités de l'ONA. Un extrait. Pour les sénateurs, sénateurs soulevés, il n'a pas fait objet de gabegie administrative. Et comme deuxième lettre, il a parlé de la gestion de l'ONA. Nous allons venir sous gestion de l'ONA avec nous-mêmes, honorables sénateurs. Et nous allons conclure de par nous-mêmes que c'est la meilleure administration qui gagne depuis 4 ans. C'est avec la mort dans l'âme que m'a suis sur les réseaux sociaux et encore en recevant une pareille lettre. Les n'a fait effort comme nègre qui sont dans la classe. Et puis, nègre qui sont dans la même classe avec nous, ils n'ont pas gagné assez d'élégance pour encourager nous. Parce que ce n'est pas facile d'occuper une fonction dans l'État. Et je ne peux pas décourager, je ne peux pas inviter l'autre monde à ne pas décourager. C'est pour décoller, parce que nous choisirons un pays, c'est parce que nous voulons l'autre bagaille pour lui. Mon ouais, honorable sénateur Sénatus, transmettre un dossier. C'est un coup que le gain dossier n'amène. Je suis capable de dire pour la commission ou transmettre quelques feuilles des dossiers. Parce que employé qui pirate dans l'ONA, qui fait photo sur Facebook, ou bien qui prend l'alphabet copie, il n'y a pas de dossier à nommer. Parce que la presse, il n'y a pas de bille. Et m'a dit commission, on commence à mettre caméra dans tout service l'ONA, de façon pour bagarre ça capable de supprimer. Honorable sénateur, vous connaissez toute appréciation pour vous, surtout en tant que commissaire du gouvernement. Nous c'est des groupes, des classes d'hommes qui viennent pour faire bagarre pour le pays. La ministre des Affaires sociales et du Travail, Stéphanie Auguste, dément elle aussi les rumeurs faisant croire que le ministère qu'elle dirige est rongé par la corruption. Selon Madame Auguste, des mesures sont en train d'être prises au niveau des 10 départements du pays pour que les projets de développement social touchent tous les membres de la population. Ces précisions. Ça, c'est chèque que justement... Sous administration, moi, nous qui sommes côté bénéficiaire, non pas côté bénéficiaire, pas venir réclamer chèque. Et nous avons déjà nous éliminer chèque parce que pas venir réclamer. On prend un exemple, côté nous perforer et chèque ça va retourner dans le ministère des Finances. Donc, les gens, alors, nous défendons une photocopie de documents, malheureusement. Alors, ça, c'est en lot.
que m'a montré nous. On gagne l'autre toujours. Bon, ça c'est original de chèque yo. Tout est écrit void sur yo, mais pour pas gagner mal entendu, non perforé. Non gagne l'autre l'eau encore que nous gagnons. Ça c'est des chèques qui étaient déjà émettre, mais bénéficiaires yo pas venir chercher yo. N'a montré et ça chaque chèque ça c'est 1500 goud qui c'est allocation qui que bénéficiaire yo gagne. Mais chèque toujours que nous kembe. Alors si gagne des bénéficiaires qui connaît que yo te kon recevoir yo pas recevoir, nous disponible pour nous si pas erreur nous-mêmes nous te annuler chèque yo pour nous ta restituer yo parce que nous voulons que pour chèque yo pour y ajoute un vrai bénéficiaire. Nous te jeune en fait de 5000 environ 5000 mais n'attend toujours parce que c'est chaque mois que chèque yo a permettre pour jusqu'à ce que me voyer finance pour dire bloquer chèque ça yo n'attend un effectif de 3 mois depuis mon en fait 3 mois pas venir chercher nous couper nous voyer d'aller là nous environ de 5000 mais des comptes là fait pour nous pas pour nous graduellement au niveau de contrat pour CAS pas grand quel nouveau contrat qui signe pour CAS. Et par rapport tout à pour nous qu'à respecter 32 vies de l'État, toute location machine campée dans CAS. Nous poursuivons avec le comité de pilotage des états généraux sectoriels de la nation qui s'est entretenu ce mercredi 4 juillet avec des membres de la population du département du Nord. Les citoyens venus de différentes sections communales du département ont salué cette initiative. Suivez. C'est une très bonne initiative et je souhaite les participants au WELL comme yon moyen seulement pour yon critiquer les gouvernants. Donc, bon, je dis de manière plus large, gouvernants. Mais yon ta de considérer tout comme yon espace yon même pour yon questionner participation comme citoyen. Si je ne paye pas taxes, je ne peux pas exiger gouvernement. OK pour le bon service et si m'pa fait pression sur gouvernement m'pa là que m'pa jeune service m'pa capable critiquer l'autre citoyen eux même qui fait effort et également si m'pa voye bon député bon sénateur c'est pas sénateur par défaut non si m'pa voye bon représentant dans parlement pour qui opérationnaliser fonction de contrôle fonction de législation fonction de représentation m'pa ka plaindre le fait que yon lycée pas fait dans zone moi parce que zone moi pas représenté nous est quelque chose qui ca abouti à yon, on t'a dit on râle et souffle quelque part si t'as pas sérieux parce que problème pays a y en pile pas un cotoman y en pays a pour pas ouais y en problème initiative ça son initiative qui me pensait qui doit sérieux moi m'espérais que initiative ça y porter quelque chose de changement mon yo vient rentrer dans l'autre logique de mobilisation et peut-être que bah, si nous est tout débat yo et gon rejet à la fois des formes de mobilisation avant yo c'est-à-dire que question de à mobiliser autour de candidats peut-être que acteur qui viennent là yo peut-être que c'est un profil particulier peut-être que c'est monde qui pas trop engagé des candidats ou des partis politiques donc peut-être que on peut se plus critique mais globalement ouais que moun yo yo plus intéressé à problème qui a confronté quotidiennement au niveau local et ils sont plus préoccupés pour être capables de chercher des solutions collectives à des problèmes communs. Et ça, c'est un changement. Parce que jusqu'à présent, nous apprenons à chercher, n'a rien pour sortir. Donc chaque monde essaye de trouver des solutions, gens capables, et selon moyen, selon réseau qu'il gagne, selon puissance qu'il est capable de déployer. Donc moi, c'est que nous avons assisté à un changement de mentalité, à un changement de vision, à une sorte de transformation. Et en tout cas, c'est ça, les rencontres que nous faisons, ça permet de nous constater ça. Augmenter l'accès à l'électricité à travers des réseaux autonomes. C'est autour de ce thème que s'est déroulée ce mercredi 4 juillet la série de réflexions hebdomadaires de la BID dénommée Mercredi de réflexion. Cette édition a été l'occasion pour les participants de réfléchir sur les problèmes d'énergie et d'électricité auxquels fait face le pays. Un extrait.
Réflexion aujourd'hui, c'est nous devons sensibiliser tout le monde, en plus l'expert qui est venu, pour nous montrer que nous pas besoin de 30 ans ou bien 25 ans pour nous avoir un gros réseau pour nous faire extension sur eux, mais avec de temps en temps, nous mettons un micro-réseau au côté, comme ça rapidement, et on va prendre plusieurs zones, on va prendre 5 zones, et pour installer 5 micro-réseaux en même temps dans différentes zones, comme ça, accès à l'électricité a augmenté très rapidement. Côté EDH, nous travaillons pour nous produire plus. Nous avons gardé dernièrement centrale Pélig, réhabilitation finie. Actuellement, nous venons de dire là, comme Gendlo, dans la mesure de bail 50-54 MW. C'est plus production, plus commercialisation. Nous avons une bataille pour que nous puissions stabiliser les résultats que nous commençons à venir. Et je profite de la présence après ça pour dire que ce n'est pas seulement en dans EDH pour que l'effort soit fait. Il faut que la population respecte la date limite pour payer votre droit. Il faut que la population comprenne qu'il faut sortir dans la question vol, dans la question prise, parce que ça a un danger là-dedans. Le programme électricité président de la République et le gouvernement Moïse Lafontaine en général, il y a trois volets là-dedans. Il y a un volet qui se met en place le réseau électrique national. Ça veut dire qui ça concrètement. Il y a 10 réseaux régionaux qui fonctionnent de façon indépendante. On va augmenter la capacité de production. Il y a un hectare 20 MW qui passe à 40 MW, il y a un hectare 10 MW qui passe à 30 MW, on va augmenter la capacité de production, faire fonctionner, et puis là, on commence à fonctionner de façon optimale pour interconnecter. Ça, c'est le premier axe dans le programme énergie gouvernement. Deuxième axe dans le programme énergie gouvernement, il y a un côté réseau national à pas jamais arrivé à cause de conditions territoires. Côté régional, réseau à pas arrivé, à nous dit que nous allons développer plusieurs mini-réseaux. Et tout mini-réseau, ça va utiliser énergie propre. Soit énergie solaire, énergie vent, énergie de l'eau, énergie ou jeune non biomasse. Pour le troisième axe qui peut aller. Parlons à présent d'éducation pour dire que le processus de correction des épreuves de baccalauréat a débuté ce lundi 2 juillet. 2300 professeurs vont participer à ce processus selon ce qu'a informé le directeur du Bureau national des examens d'État, Renan Michel, au micro de la TNH. Nous avons ça, par exemple, que nous avons les bornes de correction, hein? Les vierges. Tombe de correction vierge. Mais avant le processus là, vous mettez toute information là-dedans qui concerne les candidats. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est une feuille qui est préparée, un bordeaux de correction qui est préparé, qui a toute information qui appartient à l'élève là. Et nous avons dit, yon élève, il y a 8 feuilles comme ça qui pour lui. Et chaque feuille a un numéro symbolique. Parce que il y a 8 matières, chaque matière a un numéro symbolique qui est attaché à un candidat. Et le numéro symbolique, ça, eh bien, c'est un algorithme qui est formé. Personne n'a pas déterminé l'algorithme. Et le attaché Bordeaux ça sous feuille élève là. Après, dans le bureau central, il a retiré sous cela. Information qui concerne l'élève là. Maintenant, vous attachez sous copie, c'est ça seulement qui était. Correcteur, pas qu'on est qui copie que la corrige. Le fait arriver dans la correction, correcteur mettez note là. Lui mettez note là en chiffre, lui mettez en lettre. Et lui écrit. Là, il finit, lui enlever. Bordeaux de correction pour aller dans la deuxième correction pour que le deuxième correcteur pas connaît combien notre premier correcteur a été bail. Les deuxièmes n'ont fini de corriger tout, les enlever Bordeaux, ils quittent copier seulement avec côté qui vient troisième correction. Ça. Deux Bordeaux de correction, ça, en ambulex, nous parlons pas sur un lecteur optique qui fait lecture là. Nous pas fait saisie manuelle. Son lecteur optique qui fait saisir notre saio que le correcteur mettait sous Bordeaux. Lorsqu'il fait lecture saio, si entre deux Bordeaux de correction, il y a une différence de 26 points, l'ordinateur a dit, écale à 3 grands, mettez-le sous côté. À
ce moment-là dans le bureau central pour y aller rechercher copie ça pour capable de subir une troisième correction. Et troisième correction, ça, vous parlez comparer avec les deux premières notes qui ont été baillées. Et vous parlez quoi côté différence en pipiti en troisième avec les deux premières corrections. Si écart encore entre les trois qui sont dépassé 26 points, vous allez subir encore quatrième correction. Et ce qui fait très méthodique que vous veillez à ce que l'intérêt élève est paralysé. Donc c'est tout processus ça qui conduit à ça. L'elfine, vous remettez la machine là, pour que l'effet total là, c'est en sens là, nous baille résultat. Et puis sachez que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a pris toutes les dispositions pour s'assurer que seuls les enseignants qualifiés soient chargés de corriger les épreuves cette année. C'est ce qu'a fait savoir le directeur départemental de l'Ouest de l'Éducation nationale ce mercredi 4 juillet. Louis-Fritz Dormeville a également annoncé que la liste des correcteurs sera rendue public sous peu. Écoutons-le. Toute liste correcteur nous finit. Il y a pas affiché plusieurs côtés pour que parents, directeurs d'école, élèves, public là, journalistes surtout, qui jouent les formations sous correcteur. Il y a pas affiché la liste firmée. La jeune fille, la DDO et la lycée Toussaint Louverture. Mais cette année, nous faisons un bagage en plus. Nous venons avec des cartables qui gagnent toute liste correcteur là que n'a pas journaliste qui présent là. Ça veut dire nous prenons nous avons une liste correcteur là mais nous tout. En sorte que les gens t'a dit que c'est n'importe monde qui a corrigé, nous avons vérifié l'information pour nous voir est-ce que c'est n'importe monde qui a corrigé. Nous journalistes tout, nous avons pris n'importe modèle là-dedans pour nous voir est-ce que monde ça qui dit l'a fait l'école tel côté, la classe philo, est-ce que l'a fait cours la classe philo vrai? Donc nous prenons toute précaution ça yo, parce que on ne peut pas utiliser les copies des enfants à des faits politiques. Si moun yo passe 14 ans sous l'école, yo travaille, yo composé, ministère doit prendre toute disposition à ce que les copies soient bien corrigées et que notre yo transmette l'ambunex, tant que j'ai directeur et notre dia. Yo saisi yo et enfin gagner la publication des résultats. Yo l'autre bagaille en plus qui gagne la correction année sous l'autre ministre. Il demandait à ce que chaque jury nous choisit deux correcteurs qui plus anciens, performants, qui maîtrisent matière là et qui disponible. Qui rôle yo? Pendant correction a fait là, même les présidents jury gagne l'autre coordonnateur des jury, yo même il a passé dans n'importe qui l'a copie. Il a correcté et corrigé. Et puis il a pris quelques copies. Et puis il a corrigé. Puis il a comparé notre correcteur à tes bails là. Et à ça, aujourd'hui, s'il faut les correcteurs pour entendre, pour confrontation, il a fait tout ceci. C'est pour permettre à ce que notre cap sorti en correction, c'est notre correct. Dernière information à cette édition, le Fonds d'assistance économique et sociale, FAES, en collaboration avec des autorités locales, a inauguré le mardi 3 juillet un restaurant communautaire à Inche. Ce restaurant permettra aux bénéficiaires d'acheter un plat chaud pour la somme de 10 gourdes. Des représentants du FAES encouragent les responsables du restaurant communautaire à en faire une bonne gestion en vue de bien servir la population de cette zone. Restaurant nous mettons, c'est vrai, nous connaissons, nous ne pouvons pas quitter avec charbon parce que l'habitude environnement. Nous prenons l'eau ça et nous prenons le côté pour nous essayer d'avoir suite rapide avec. Chaque monde qui est là, parce que nous avons une responsabilité. C'est vrai, nous prenons chercher à améliorer tout ça, nous demandons là. Nous prenons l'eau sur. Nous allons le côté pour améliorer parce que chaque jour, un petit monde n'y font pas en plus jusqu'à ce qu'on nous quitte pour nous. Pas la c'est main en main pour avancer. Pas la même, pas la même, et puis nous avons des restaurants en vie. On nous fait ouvrir restaurant et puis pour nous voir comment nous allons améliorer chaque jour. Chaque mois passé, le rapport nous dit qui ça pour nous mettre dans le restaurant additionnellement pour nous. C'est même gens, je ne dis pas. Si nous passons dans 13 communes,
nous avons tout petit moment qui ont été ciblés, tout petit moment qui ont été pris pour nous, tout petit moment qui ont été pris pour nous. Je joue aussi comme nous. Mais si nous-mêmes qui en tête là, nous dédions l'agent ça, nous ne pouvons pas quitter maman au revenu, c'est méchant. Et ça fait chaque monde qui a dû sensibiliser à l'idée que le programme président Jovenel, c'est le programme pour la population. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été avec nous. Très bonne fin de soirée sur la télévision nationale d'Haïti. Au revoir.